Salut à tous, c'est Bryce donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite, et j'ai deux choses assez importantes à vous montrer. Tout d'abord, la première image, premier teaser de la saison quête, apparemment qui a leak sur Twitter, et on a aussi trouvé un des premiers skins du pass de combat pour la nouvelle saison. Donc, comme d'habitude, petite prévention, mais au cas où, ça reste à confirmer, dès qu'on arrive à la fin d'une saison et à l'approche d'une nouvelle, il y a énormément de leaks qui tombent sur les réseaux, il y a du faux, il y a du vrai. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste. Donc, je vais tout vous montrer. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite. Gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BYSANCODE à la boutique. Ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas le concours Astor Gaming qui est dans la description. Si jamais vous voulez gagner quelque chose, soit un des derniers jeux qui viennent sortir, soit des cartes PSN, Xbox, Nintendo, prendre des V-Bucks et vous faire plaisir avec les skins qui vont arriver prochainement dans la boutique ou le pass de combat de la saison 4, c'est vous qui voyez. Tout est dans la description. Et du coup, c'est parti. On peut commencer la vidéo. Bon, du coup, j'ai pas vous faire attendre plus longtemps. Voici l'image qui a leak du coup sur Twitter et qui a été trouvée. Alors, soit un teaser pour la nouvelle saison, premier teaser de la saison 4, soit une image pour teaser un peu l'événement de la fin de la saison 3. Je pense que vous avez reconnu du coup, c'est la main de Paradigme. Je vous mets une petite image du skin à côté pour bien faire la comparaison. C'est du coup le skin Paradigme qui se noie dans un liquide assez spécial. Peut-être que ça peut annoncer par exemple pour la nouvelle saison une variante du style Paradigme dans le pass de combat à débloquer avec des défis ou un truc comme ça. Et franchement, rien que cette image, je trouve, annonce pas mal de mystères et de secrets si elle est vraie sur la nouvelle saison. Et ensuite, on a aussi du coup le premier skin, un des skins du pass de combat de la saison 4. Ça sera du coup Gwen de Fortnite X Spider-Verse qui devrait arriver dans le pass de combat de la saison 4. Normalement, c'est confirmé et ça devrait arriver. Et par contre, ça a été répété encore une fois, le pass de combat de la saison 4 ne sera pas sur le thème Marvel. Même si on a des skins du coup des super-héros qui seront dans le pass de combat, le thème principal de la saison devrait être autre chose que le thème Marvel comme on avait eu pour le chapitre 2. Et voilà, du coup on arrive à la fin de la vidéo, c'était court, c'était rapide, mais je voulais quand même vous montrer du coup les deux gros leaks qu'on avait eu sur la saison 4. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite, et n'oubliez pas aussi le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description, si jamais vous voulez avoir une notif dès qu'on lance le prochain stream, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Et puis voilà, du coup je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.